est fondamental de s'intéresser sur le passé dans la longue durée au Moyen-Orient pour comprendre une actualité qui trop souvent nous submerge par sa violence, sa complexité. Parce qu'on voit en fait, en retournant vers ce temps long, que les propagandes de guerre de ce temps n'en font pas grand sens, qu'elles sont des constructions récentes. J'en donnerai juste quelques exemples. L'Orient islamique a été très longtemps majoritairement chrétien. Les sunnites et les chiites, pendant pratiquement un millénaire, se sont affrontés entre sunnites et entre chiites, le politique et le religieux. Dans l'islam, on prétend que c'est intrinsèquement théocratique. En fait, depuis le début, il y a des pouvoirs politiques qui essaient de s'imposer à des institutions religieuses et réciproquement. Donc on voit que le Moyen-Orient s'organise au cours des siècles, voire des millénaires, autour de trois pôles. La Mésopotamie, donc l'Irak actuel, la Syrie au sens large, et la vallée du Nil, c'est-à-dire l'Égypte. Donc il y a une compétition entre ces trois pôles, et on voit qu'après que le Moyen-Orient s'islamise, eh bien la compétition, elle se poursuit. Le premier empire de l'islam, il s'établit à Damas, en Syrie, et il récupère une bonne partie de la pompe byzantine. Ensuite, c'est l'Irak, et on fonde une capitale impériale à Bagdad. Après, c'est l'Égypte, avec une nouvelle capitale impériale, le Caire, qui est en compétition avec Bagdad. Donc on a cette organisation de l'espace, à cheval sur trois continents, qui fait qu'on a effectivement une économie monde, une société monde, un empire monde qui s'impose à l'ensemble de ses contemporains. C'est important de dire l'Europe, parce que pendant longtemps, l'Empire romain d'Orient a été un empire d'Orient, donc les Byzantins face à l'islam. Et quand l'Europe s'intéresse à cette partie du monde, c'est souvent pour un rapprochement de revers contre les Byzantins. On sait que du temps de Charlemagne, il y avait cette tentation avec Haroun al-Rachid, le calife de Bagdad. Quand les croisades sont mobilisées, c'est avant tout un problème européen qui affectera le Moyen-Orient assez marginalement, en tout cas beaucoup moins que les immenses tourments et bouleversements des invasions moghols. Et du temps de François Ier, la France va nouer, alors là pour le coup, une vraie alliance de revers avec l'Empire ottoman contre la puissance européenne dominante que sont les Habsbourg. Cette alliance va durer près de trois siècles. Et on oublie souvent que quand les Français attaquent Nice, attaquent la Corse au XVIe siècle, c'est avec la flotte ottomane. Et tout ça va évidemment changer à l'époque moderne, avec l'expédition d'Égypte de la République française et de son général Bonaparte, où la France va choisir l'Égypte, alors que la Grande-Bretagne choisira l'Empire ottoman jusqu'à l'aventure coloniale plus récente.